Ah bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans une nouvelle découverte, dans un jeu fait par Giant Squid, oh là là, édité et publié par 505 Games. Oh my god. Et bienvenue donc dans un jeu avec un triangle blanc. Eh ben on a le fic pour avoir des formes, non? Pour les écrans de chargement. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte. Sur un tout petit jeu indépendant qui était gratuit. Qui est gratuit d'ailleurs sur le PlayStation Store pendant une durée limitée. Voici donc sur Abzu, mesdames, messieurs, Abzu. Petit jeu indépendant. Et nous allons nous y plonger. Le son est un peu fort. C'est beau. C'est fort. Le son est un peu fort. Bah, je crois qu'on vient vraiment de se plonger dans l'action là. Au début, il n'y avait rien. Ah, je croyais que ça allait nous parler du ping-pong. Je prends des screenshots. Laissez-moi tranquille. D'accord. Alors, ok, c'est bon. Je suis en mode pause. Sachez que ce jeu ne... Sachez, pardon, que c'est une vidéo découverte, donc pas un let's play. Si jamais vous voulez que ce soit un let's play ou quoi que ce soit, si le jeu vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Puis, pour l'instant, je pense que la chaîne d'Escao est un peu overdosée en termes de let's play. Donc du coup, peut-être, pourquoi pas, en premier temps sur DTK Play, et ensuite sur la chaîne d'Escao, si cela, bien sûr, vous convient. Bien sûr, DTK Play dans la description. Du coup, pour plonger. Oh! Oh, ah ouais! Je vois! D'accord, j'explique. Donc là, en fait là, je fais un tour quand j'avance. Quand je fais ça, en fait je dois faire au bas. Je dois faire au bas en fait. D'accord, et là j'accélère. Là, on nage avec les poissons. Wouah! Turbo boost! Et là, il y a un gros poisson. Ah ouais, d'accord. Pour monter avec le poisson. Je monte avec le poisson. Un Goliath Trooper. Beau. Mais on peut pas baisser le son, je suis désolé. Là c'est très chill, hein. Là clairement soyez bien installé sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre lit, peu importe. Là je vais devoir hausser le ton comme on dit pour parler. Interagir. Une petite couille va me suivre, c'est ça?
esprit qui me suit. Ah ouais. Let's go. Quel tour c'est ? Ok. Ce jeu est ultra beau, clairement. Si vous avez une PS4 et que vous hésitez à prendre des jeux, etc., prenez ça. Ce jeu est ultra beau. Qu'est-ce qu'on a juste ici ? Du corail. Donc les petits robots peuvent nous libérer là-bas. Ok. Mais c'est tellement beau. Clairement, j'ai envie de vous dire, attendez que le jeu redevienne payant et payez-moi ça. Je veux que les développeurs soient payés pour ce travail. C'est beau. Purée. Là, clairement, on va suivre le requin. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit coquillage. On peut faire de la musique avec les petits robots. J'essaie de faire des angles de caméra, etc. pour que ce soit plus agréable pour vous. J'essaie, j'ai pas vu que je réussissais. Là, qu'est-ce qu'on a? Un portail! En tout cas, le gameplay est très très intéressant. C'est de toute beauté. Là, on inonde le truc. What? Il y a déjà... On est déjà dans l'eau? Non? De l'eau dans l'eau, c'est possible? Enfin, de... On est bien d'accord, là, il y a un truc qui va pas. Si vous êtes spécialiste, et que vous savez... Oh, je suis pas, mais c'est beau! Est-ce que là où l'affaire, on va écouter la musique? Alors attends. Par les saintes algues, les poissons venèrent s'exiler dans nos saintes maisons en pierre pour se cacher des terribles baleines. Notre civilisation continuait à prospérer quand soudain le soleil frappa. Et... La suite de l'histoire bientôt. Oula, par contre la caméra... C'est un peu inversé. On peut pas inverser la...
Voilà. C'était inversé en fait. C'est pour ça que j'avais du mal. Le haut et le bas, c'était inversé. Oh non! Mon robot! Mon robot! Il a tué mon robot! Espèce d'enfoiré! Mais normalement, les requins ils attaquent pas comme ça! D'où tu t'y connais d'esclaves? Bah. Le Nexus! Ça, c'est Destiny l'esclave. On passe dans le portail Vex, tout ce qui est plus normal. Là, arrête de parler de Destiny. Fin du premier niveau. On dirait bien. Oh mon dieu. Un autre triangle blanc. C'était dans quel jeu qu'il y avait un autre triangle blanc? Mais c'était contrôle? Non, c'était un cercle blanc. Je sais pas. Un chargement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez de ce jeu dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît? Moi perso, je suis surpris. Je savais que le jeu allez beaucoup être dans le thème c'est beau, mais attention, il n'y a pas que ça aussi. Mais c'est très beau, vraiment. Je suis très surpris. Je m'attendais pas vraiment à une telle claque. Puis les musiques, mais les musiques, c'est tellement beau. Écoutez-moi ces musiques. Fais attention à pas sortir du courant quand même. Allez. J'essaie de vous faire un peu des angles de caméra. Ça va être sympa. Wait what, de la neige? Ça encore ça pourrait être. Je crois que ça pourrait être possible. Je sais pas. Je ne connais que dalle. Je suis pas climatologue. Mais ça doit être du sable blanc. C'est pas possible. Non, c'est du sable. C'est pas de la neige. Laisse-la, on réfléchit un peu. Et là, faut choisir notre chemin. Toujours à l'ext. Ah non, j'ai dit. Je croyais qu'il fallait choisir. Ouais, dernier niveau de Saints Row 4. Et là, on remonte. À la surface, tel un dauphin. Ok, donc on a un corail ici, enfin un truc de corail qui nous empêche d'avoir. Il faut trouver un robot. Parce qu'on n'a plus de robot. Peut-être là. J'ai. Ah ah! Tu ne mourras pas comme ça, le jeu. C'est parti, mon kiki. Ah,
consommer comme il faut. Et on reprend le courant. Oui. Et c'est reparti mon kiki. Les poissons. Je vais faire avec un peu de caméra. Le son qui est beaucoup trop fort. Désolé un peu de gâcher le tout, mais c'est vraiment la musique, c'est fort. Du coup. Désolé si vous ne m'entendez pas bien ou non. Hein. J'essaie de faire de mon mieux. Et je sais pas vraiment si on m'entend beaucoup ou non. Donc voilà, m'en voulez pas trop. Voilà. Des orques! Incroyable! On nage avec les orques. On peut. Est-ce que je peux m'accrocher à un os? Je vais essayer de m'accrocher à un os. Ah, je ne sais pas où tu l'as. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Clairement, si vous avez les moyens de vous offrir un jeu, et si vous ne savez pas quoi acheter comme jeu, prenez ça. Clairement, c'est une claque visuelle. Clairement, j'ai jamais vu de jeu aussi spectaculaire. Puis c'est un petit jeu indépendant, donc clairement, ça ne peut faire que du bien. Et des jeux indépendants, tout le monde sait que les indépendants ont vraiment besoin de soutien dans une industrie qui ne fait que du bien aux gros. Aux studios, bien sûr. Du coup, si vous avez les moyens de vous l'acheter, achetez-le clairement. Personnellement, pour l'instant, je le trouve excellent. Ce petit jeu. Avant c'était des Raymantas, maintenant c'est des orques. Le retour de l'eau dans l'eau. Du coup, est-ce qu'on peut aller dans cette eau? Est-ce qu'on peut nager dans cette eau holographique, je suppose? Est-ce que je vous ai dit à quel point ce jeu était magnifique? Est-ce qu'on peut nager dans cette eau? Bien sûr qu'on peut pas. Ce n'est pas grave. La grande famine, de retour dans les temps, l'attaque des requins.
Stargate. Ah non. Ah si. Ah non. Je veux aller là-dedans. Please. Please. Non, restez. Oh, je me suis accroché à un petit requin. Un requin gris. C'est compliqué là de faire des trucs de caméra. Là c'est un bestiaux. C'est un marque. Je ne m'y connais pas du tout en termes de poisson. Clairement. Il y a des spécialistes de la poissonnerie ici. Que je demande une excuse, mais je ne suis pas un professionnel. Ah, des petits robots, suicide-toi. On avait perdu notre robot. Voilà. Il va là. Au revoir, petit robot. Et du coup, on va aller dans les sorts orange. En tout cas, très, très, très joli jeu, clairement. Je vous le conseille, je ne le dirai jamais assez. Ce jeu est beau. Je suis content de faire des vidéos sur ce genre de jeu. Mon Dieu, que je suis content. Et j'espère que vous aussi. J'apprécie vraiment faire des découvertes sur ce genre de jeu. Et c'est dommage vraiment que voilà, pas beaucoup de personnes me parlent de ce genre de jeu alors que c'est beau. C'est beau. Ça change de Fortnite. Ça change de beaucoup de jeux et clairement ça fait du bien un peu de voir ce genre de jeu aussi. Au lieu de toujours voir des shooters, des Call of Duty, etc. Ce genre de jeu qui appelle à l'aventure, etc. Mais on va s'arrêter là malheureusement. On va aller au menu principal. On va aller au menu principal. Clairement, c'est ce genre de petit jeu qui appelle à l'aventure, qui, je sais pas, donne une atmosphère agréable. On se détend vraiment quand on joue à ce genre de jeu. Genre à Flower, Journey, Abzu, ce genre de jeu. Certes, les temps de chargement sont longs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. De toute façon, on a l'habitude maintenant des vieux, des temps de chargement qui sont ultra longs. Moi perso, ça ne me dérange même plus. En tout cas, mesdames, messieurs, clairement, ça a été un plaisir de faire une vidéo sur ce jeu que je voulais faire depuis un petit moment et depuis qu'ils l'ont mis gratos sur le PlayStation Store, j'ai donc profité. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez, clairement, parce que ce jeu est magnifique, clairement. Donc voilà, partagez pour le jeu, pas pour moi, clairement. Clairement, si vous souhaitez acheter le jeu, sachez qu'il est disponible sur Xbox One, PS4, mais du coup les nouvelles consoles aussi, sur PC... Sur Switch, je sais pas. Je sais pas s'il est sur Switch, par contre. Mais on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte. Des bisous.